Salut à tous, c'est ce Magic Arena FR. comment ça va fou Ça va super bien et toi Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de gameplay en explorer, mais j'aurais presque envie de dire en pionnier, puisque cette décliste est à la carte près, une décliste de Pionnier qui en ce moment fait ses petites perfs tranquillement, kilou-bilou, et, euh, et ça fait plaisir, on est sur un deck fire encore une fois, mais c'est pas du tout le même plan de jeu que Enigmatic euh, Incarnation. Là, on est sur du, du good stuff. Euh, vraiment, où on joue de bonnes cartes, de plein de couleurs. Euh, et on essaye de gagner la partie avec ça. Et on a Keruga pour faire plein de value. Pour euh, essayer d'abuser toujours plus de la mécanique des compagnons qui, euh, qui est solide, en fait, finalement. Du ouais. que d'avoir une carte de plus dans la main, c'était bien. Je crois que le, le but de ce deck-là, c'est surtout d'essayer de. On se rend compte, et notamment en moderne, que dès qu'on a eu la perte de Yorion, les gens veulent absolument. Euh, Combler ce manque de compagnons et donc, du coup, essaye petit à petit d'aller vers des compagnons qui sont encore légales et notamment Keruga. Donc, il y a des listes Keruga qui apparaissent un petit peu en moderne et je pense que ça a donné euh, des idées à des gens, du coup, d'adapter ça en pionnière. Et euh, quoi de mieux qu'un qu deck feu de l'invention avec des cartes aventure pour essayer de, de shunter euh, le, euh, mm -hmm. le défaut de, de Keruga et du coup faire des choses très très puissantes dans, dans le milieu de la partie. Il euh, y a un petit, une petite vibe euh, Fire Cavalier comme à l'époque du standard. Euh, et ça, euh, pour le coup, ça me plaît bien. C'est un deck qui, du coup, euh, va commencer à jouer au tour 2, n'aura absolument aucune possibilité euh, de faire quoi que ce soit au tour 1, mais qui, au tour 2, va pouvoir jouer ses 4 gens krakos, ses 2 tortues célestes, ou alors ses emprisonnements par les linées grâce à la mana base un petit peu, euh, un petit peu étonnante que, que l'on a. Et après, à partir du tour 3, on commence à faire des trucs intéressants. Puis, au tour 4, on a le feu de l'invention. Et puis, alors, si jamais tu détapes avec feu de l'invention à ton tour 5, je pense que tu gagnes la partie instantanément. Avec Cavalier et Kenrit, hein, ça marche très très bien. C'est ça. Yep. Euh, donc, bah, à voir un petit peu comment ça se positionne, ça risque d'être très faible contre les stratégies spirit très tempo, mais ça risque d'être écrasant contre toutes les stratégies euh, type rack d'OSmin Range. Mmh. Euh, bah, en fait, la deck, deck est finie déjà. C'était rapide euh, à faire. Hein. Bah, bon. Après, il y a sûrement beaucoup plus de choses à dire, mais nous, que ce oui. soit toi ou moi, on n'a pas joué la liste, on ne la connaît pas, on l'a pas créée. On donc la forcément, on va aussi découvrir pas mal de choses avec vous. C'est ça, euh, en tour 3, Führer et Fab du Brise Miroir qui, euh, bah, qui sont là pour euh, bah, tenir un peu en respect les jeu aggro. Et, euh, et juste euh, bah, la meilleure carte rouge de ces derniers, euh, ces derniers temps, hein, Fab du Brise Miroir, qui marche très très bien avec n'importe quelle créature qu'on a envie de copier, sauf le omnet et le Kenrit, on peut pas, mais genre, le géant, le cavalier, la tortue, ça marche bien. Les interactions contre Grisfang, parce que vous allez dire là, mais Grisfang il fait combo bout l'a l'a perdu, et eh pas trop, parce que du coup on peut emprisonnement le Grisfang ou le paré ou alors booncer euh, le Grisfang ou le paré avec la tortue céleste. Donc euh, ouais. on a des armes. Alors on n'en a pas beaucoup, ça c'est clair, ouais. mais on en a. Alors, t'en as quand même virtuellement plus que dans n'importe quel autre deck d'explorer, parce que t'as six interactions à Grisfang, ce qui est pas forcément le quota de tous les decks de Pionnier. Donc finalement on peut, et puis au pire on se prend un coup, on fait un petit verdict suprême. Ça peut aussi, enfin euh, si on n'est pas mort sur un, sur un seul coup du lion, mmh. ça peut passer quoi, surtout si on a commencé. Verdict suprême, c'est ton garde-fou contre Spirit, parce qu'il ne peut pas mmh. le contrer, et c'est un petit peu ta seule porte de sortie. Ouais. En side, on a bah, évidemment Keruga, 3 disputes mystiques, 3 Chevalières de l'automne, une Fureur des dieux supplémentaires, des Linley du vide qu'on peut caster avec Fire ou avec nos deux sources de noir, mais le but c'est de l'avoir en main de départ et de la jouer. Tout simplement euh, tour 1, un verdict comme supplémentaire et deux chandras fournaise éveillée, la saveur retrouvée. Et, euh, et puis voilà, c'était une deck tech euh, ma foi concise. Avant de se lancer dans euh, du gameplay, je vous rappelle que vous avez le top qui arrive mercredi, le top de l'extension Brother Soir, euh, avant les premières vidéos de gameplay Du coup, qui commenceront à à partir de vendredi. Et merci au sponsor Play My Magic Bazaar, code ValetPL 2022 sur la boutique, 50% de points de fidélité pour vous. Et ça nous soutient quand vous l'utilisez. Merci à tous. Il est utilisable jusqu'à la fin de l'année, ensuite ce sera un nouveau code, donc n'hésitez pas à l'utiliser euh, avant que le prochain n'arrive. On est parti Val. Merci à tous. Bah, allez vas-y on est juste parti. Allez let's go. Accueil. Jouer. Je veux jouer avec cette table. J'aime bien que ce soit une table qui soit qui symbolise le jeu tu vois. Parce okay, qu'il n'y a pas besoin sur de sur table pour gloge, Magic Arena. Je en explorateur s'il te plaît. Oui tout en Non mais bas. je te je te de cette table Val. Pour moi. Ah la table. Oui c'est vrai que c'est une table. Mais tu sais qu'avant que tu me dises que c'était une table, j'avais l'impression que c'était un peu une porte euh, japonaise. C'est peut-être ça. Mais je pense que c'est une table. Bah, une table que tu japonaise. Dis avec la perspective, c'est effectivement une table. Mais en fait, imagine On une porte un petit japonaise. Stand. Ouais, ou une porte tu japonaise, ouais. Avec les petits bouts de tissu qui pendent. Ouais. Ils sont en fait les pieds de la table. Maintenant que je le sais. C'est vrai. Mais maintenant, je vois ta, ta porte japonaise. Et maintenant, tu vois et, la porte et, japonaise. Et tu vois ma maintenant, table. Vous dans le chat, si vous voyez la porte japonaise ou la table. En vrai, euh, cool quand même le petit clin d'œil. À... Ouais, ça se joue sur table quand même. Parce que quand tu vois les petits tokens sur, dans tes boosters qui disent pas besoin de table pour jouer à arena un peu genre ouais mais bon moi j'aime bien jouer sur une table quoi Alors, en fait moi les tables, j'adore ça donc euh, j'adore fil donc euh, ça, ça me peine un peu ce que vous dites donc ça fait plaisir qu'il y ait le, le petit truc de bon euh, on veut jouer aux cartes et ben ça se passe sur une table quoi et je vais pas vous mentir moi chez moi je collectionne les tables marbre bois être tout ce euh... qui est table est... mais tout c'est mon, euh, mon dada ok tant que je peux rentrer chez moi c'est qu'il n'y a pas cette table je continuerai bah ben, je les empile hein je gagne de la place comme ça est-ce que tu les démontes <laughs> pour euh, <laughs> gagner de l'espace tu peux. Hein. Tu peux, tu peux. Moi, pour l'instant, j'ai encore assez d'espace. J'en mets 4 euh, l'une sur l'autre jusqu'à ce que ça arrive à mon plafond. Ok. Et après, tu peux prendre des plus petites pour les, les caler entre. Je mets des petites tables entre les tables, bien évidemment. Ouais. Je suis à peu près à 352 tables en ce moment, dans 70 mètres carrés. Là, je kipe. Hein. <laughs> ouais, je crois. Et ouais. Joue pas grisfong, il joue pas pas grisfong. <laughs> vas-y, vas-y, kipe. Okay. Parfait. Alors, évidemment, la mana base, alors même s'il y a plein de couleurs et tout, il peut y avoir un petit prouti. Ouais, euh, alors donc, euh, euh... en moderne, on a des très bonnes manabas parce qu'on a des fetch qui vont chercher notre triomes mmh. hum. Ici, c'est pas le cas. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir les trois rouges pour cavalier des flammes si tu passes pas par feu de l'invention au préalable. Oui. Pour <coughs> l'instant, il joue pas Gris Fang, c'est pas les couleurs. Non, mais il jouera 2 midrange, qui est genre notre matchup préféré. Ah, oh c'est comme ça moderne ça Oh putain, ça, ça c'est net de Oh, c'est vampire. Oh. Vampires. Est-ce qu'il y a un intérêt à jouer autre chose que ça non Non, moi je serais toi, euh, je ferais rien jusqu'à feu de l'invention verdict suprême et je gagne la partie. Euh, exact. Quand t'as dit je ferais rien, j'allais dire bah je vais lander quand même, voilà. Ah tu peux ah. quand même lander, soulédium. Non ouais. fais rien, fais rien du tout Tu vas gagner Hop, hop, hop Que dalle Ah oh non Ah C'est là où le bas blesse, notre et deck il est pourri ça. En vrai, il a vrai choix là. Mec, il a peur, il enlève le cavalier. Ça dégage. Je pense qu'il a fait le bon choix parce que maintenant ton verdict il peut un peu tourner autour. Je vais mettre euh, montagne pour prendre Keruga, je pense. économiser un ouais. peu de Pave. What? Attends mais qu'est-ce qu'il joue lui oh. oh le oh, la, oh, oh, gros, oh. le nombre de fois où la saisie où tu repioches la carte qu'on t'a saisi, c'est catastrophique. C'est hein. est une malédiction mondiale. C'est pas Arena. Hein. Mais c'est si, bien sûr. Le monde de Magic. Non, je... non, moi je suis euh, complotiste, c'est rigged. Saisi ah. est inefficace sur Arena à cause de ce, de ce rig PL, tes propos vont être repris, déformés, détournés euh, sur des comptes Facebook. Mais, tu encourages mais, des gens là. Mais messieurs, dames de Facebook, déformez ce propos, allez-y. Arrête de dire ça. Arrête. All Allez, je viens les ça. Je les encourage pas. Vas-y, vas-y. Zou. Zou. Allez, joue-moi un petit dropin là, s'il te plaît. Que je te verdict suprême la totée. Oh, c'est excellent. Hop Hop Cherchez une petite. C'est excellent. Un mana noir, je pense Hum. Mmh, bon, noir, tu penses et ouais, Je pense le seul que l'a passe euh, tu veux bon, le ça ouais. Allez, pour le plaisir. De toute façon, là, tu fais feu verdict, non Verdict maintenant Ouais, de toute façon, mon tour prochain, c'est ça et ça, donc oui. Je crois, hein. Du fait que ton tour prochain, ce soit ça et ça, ouais. Et tu jetteras ton bassin d'élevage. Sur le plus un, ouais. Et peut-être sur moins deux. <laughs> Il peut, hein. Ça griffe une bête, j'en ai pas. Ok, au ouais, moins, je suis sûr. Du euh... coup, fin de tour. Oh, oh, ça Kavali a l'air tellement genre, gentil ce qu'il fait à côté de ce que tu vas lui faire. Du sale. Eh ah, ouais. Oh, J'ai jamais vu le champ de ruines avec le skin, c'est magnifique. C'est très beau, ouais. C'est effectivement un champ de ruines. Elle porte bien son nom. On dirait les effets 3D de Marvel Snap. Je connais pas. Qui est super, ce jeu. <laughs> je sais que tu veux pas connaître, mais ce jeu est vraiment meilleur. Ah, Ouais, je... mais c'est pour moi, ma santé mentale, que je ne connais pas. Ah, je comprends. Oh putain. Oh putain. La sauce je le mange Je crois que c'est ça, ça. Tu es obligé de jetmir au préalable dans ce cas-là. Non, je peux faire Omnat, Jetmir euh, Cavalier. Cavalier. Vas-y, fais tout, fais tout. Ouais, qu Qu'est-ce qu que tu t'emmerdes là, de toute façon oh, Putain, je m'emmerde. Oh, je vais droit ma petite carte en plus. Oh, je joue ça. Bah, tu pourras défausser ça sur Cavalier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hop C'est bien parce qu'en plus, moi, je disais souvent que Omnat, c'était un peu pourri en Pionnière, en Explorer parce qu'on n'est pas de fetch. Je pense toujours que c'est le cas, mais ici au moins on a quelques, quelques passages merveilleux qui mmh. du coup donnent un peu de, de plissir. Est-ce qu'il a est double anti-bête Ok, je crois pas qu'il aura double anti-bête, je crois qu'il aura juste anti-bête et dans ce cas-là tu vas pouvoir aller taper dans Liliana. Juste jeter Fureur des dieux. Oh le Omnath. Ok, bon bah on en parlait, le passage merveilleux qui du coup rend Homnat un peu meilleur dans ce deck. Oh, j'aurais pu lui mettre 8 points face, voilà. Ouais, mais t'aurais perdu ton cavalier. Ouais, mais il aurait pris 3. Ouais, mais t'aurais quand même perdu ton cavalier. A chaque adversaire, Chaplain Walker, donc il aurait perdu Liana en même temps. Il était à 5. Ouais, c'est vrai. C'était pas bon. Oui, Alors, je pense je... que c'est mieux d'avoir ton cavalier parce que as une draw de plus sur ton Kerouga. Oui. J'aimais ai que eh Kerouga oui, soit le, le mec sur le, le banc de touche qu'on ait appelé parce que, parce que les potes ils étaient plus là, ils étaient plus dispo. C'est fou comme ça a l'air très gentil, en fait dès que ton oppo il joue des créatures ou un plan de jeu un peu midrange, bah genre c'est très faible par rapport à ce que va proposer ce deck quoi. Mm. Laisse-moi piocher Ludic Eclipse. Tout ce qu'on veut pas affronter, c'est spirit et contrôle, mais alors tout le reste, il euh, a pas de galère. reste son bouffe. Bien joué. Ouais, ouais, bien joué. Il a bien pioché, quand même. Hein. Bim. Oh, le draw 1, il est nul. Euh... Ah, tu gardes passage pour Impossible Omnat Ouais. Peut-être mieux. Ok. Ah remarque pour les cavaliers rouges, j'aurais peut-être dû garder un land. Pour les quoi Les cavaliers rouges. Ouais. Pourquoi tu voulais si je... garder un land de quoi Pour défausser. Ah ouais Oh tu peux monter jusqu'à tortue c'est euh, un drop 7. Ah oui, il ouais, y a la tortue, ouais, je réfléchissais à les hauts drops avec tortue c'est 7 D'accord. Ça, on le tuera avec Eganjo. Ouais. Bon, c'est un deck qui a beaucoup de landes, c'est normal. Oula, t'attaques dans. Ouais, j'ai tué avec Ah, ok. Oui, c'est vrai, je suis bête, pardon. Ouais, je provoque parce que sinon il va pas attaquer lui, je pense. Ouais, ouais. C'est une, une decklist qui joue 28 landes et c'est normal. Tu, tu veux beaucoup de landes, notamment pour avoir tes colorés et, et pour avoir le domaine. Donc, forcément, bah, quand t'es au top deck, t'as pas mal de chances d'en piocher quoi. Cool. pas content ça hein. non tu peux top des binding ou oh, bah non qu'un truc qui fait gagner la partie tu vas pouvoir nous réanimer l'ami cavalier et bourré avec tout le monde si ça te pose pas de problème il y a pas de souci vol il faudra que tu landes quand même au préalable ouais c'est bon ah, je peux prendre omnat et passage il me fait quatre mana ah oui, tu referas du canrite de derrière. oh, prends. Ouais mais du coup tu bourres pas. <coughs> ah si, si tu bourres, que t'as pas l'étal Ah, tu bourres t'as. Ouais. Non. Ça donne le piète ou pas ah, je... Non, ça donne non, pas le piète. Ah mais lui il donne le piète. Ouais. Et j'ai un mana rouge, ouais, donc c'est bon. Ah eh non, mais t'auras pas le mana. Si tu payes deux, t'auras plus, auras plus de mana pour lui donner le piète. Hein. Mais ça donne. Pitié euh... non, c'est hérité ça. Juste besoin de payer, hein Oh, ouais, mais pour donner la célérité, il faut aussi que tu payes un de plus. Non, 1, hein, c'est tout. Effectivement, célérité pour un mana rouge. Ah oui, ah oui, je croyais que tu voulais faire l'effet de cavalier, moi. En fait, pour moi, tu mettais plus 1, plus 0 à tout ton board. Euh, ouais, non, du coup. Euh... C'était ça, moi, mon plan. Non, bah, du coup, donne célérité, mais t'attaques juste pas avec Kenry, je pense. Parce que sinon, il va t'empaler Kenrit dans, dans Sholdred. et Là, il bloque. En vrai, attends, il y a 16. Ouais, bon. Bah, il n'y avait pas l'étal si tu avec tout et il allait non. manger Kenrit. Là, il était quand même obligé de bloquer. Je pense que c'était enfin, OK. Il mangeait ça. pas Kenrit, il le tradait. Mais... Oui, voilà, c'est ça, il le tradait. Ouais. Alors, contre lui. Euh, je rentrerai un verdict de plus. Ouais. Et je crois que c'est à peu près tout. J'enlèverai mm -hmm. une Toltuga. qui sert un peu à rien. C'est pas euh, ah, moins tu, bien encore tu ça. une fureur, pardon, plutôt. Ah ouais, la fureur. Oui, ouais, j'ai en Craco, sinon ça tue rien chez lui. Hein. Non, mais c'est un 4-3. Ça te propose d'avoir de l'early play. C'est un body, c disons. Fine. De quoi C'est un body. C'est un body, ouais. Ah. Bon, pas combatif. Oh, on passe. Ouais, petit. bah il est au courant, tu vois. C'est dit, bon, euh, je, je n'ai pas de cartes plus puissantes que les siennes. Non, mais j'ai dit, hein, ce perdu. deck là, c'est vraiment. Euh, on vous a présenté un deck en standard, euh, Quen supplément Quen. Lui, c'est ça, mais en x1000, quoi. Et je trouve qu'il y a quand même un petit côté euh, un peu propre, tu vois. Je vais chercher pas de des cartes propres. Ouais. Euh, le quen le c'est pas propre tu vois ces gens. Ah bah spète, Gwen, ouais c'est sûr c'est the Festival ouais oh, c'était ouais. un peu moche tu sais tu jouais des drops 2 pour accélérer c'était dégueu quoi. Il ouais, y a de grandes chances qu'on pioche nos land non Moi je la garde. Hein. Ouais, on commence donc j'ai un peu peur mais euh, on peut faire des trucs quoi. c'est un deck 28 landes donc ça ça peut quand même influencer ta décision ouais. d'équipe sachant qu'il faut qu'un land là. Parce qu'avec trois landes on fait Fable et normalement c'est bon. Et après derrière tu déroules. Et surtout, tu as de l'interaction, c'est important. Contre Haru, Haru, Haru. Allo, allo, allo. <laughs> ouais, Voyons, le bouquin, il me tient la langue. Blood Crypt. Ah, ok, on se sac. sacrifice. Ça devrait être un bon match-up aussi. Mmh, je vais faire ça pour pouvoir faire. Euh... Ouais, je suis d'accord le... avec ça. Pour pro. Il faut que tu prennes un mana. Si je veux un noir, check, si noir. tu veux le domaine. Ouais. Et en même temps, ça t'empêche de faire omnat si jamais il te saisit ton feu, quoi. Bah, tu t'en fous, non Ouais, tu t'en fous. Je pense que tu t'en fous. Mmh. C'est dommage qu'on puisse pas jeter en Graco, ce que tu. Ouais. En vrai, je peux prendre... Euh... Non, je prends une heure tu penses je prendrais du noir, mais de manière un peu mal assurée, quoi. Donc fais-le, mais de manière hésitante, si ça te pose pas de. Ouais, j'ai un peu hésité. Je vois ça, ouais. Il faut pas que tu sois sûr de ce play-là, quoi. Non, non. C'est être outrecuidant. Ouais, je pense, ouais. Et je déteste outrecuidant. Je veux pas dire, non, mais c'est mana noir, c'est sûr. Avec ce... vraiment cet accent un peu de condescendance. Non, mais c'est sûr. J'aurais pris bleu, tu vois. Pour. Euh... Ouais, je... mais c'est probable qu'il faille prendre bleu aussi, ouais. Bleu ouvert pour ces deux cartes-là. Je ne sais pas. Mais bon. Mais du coup, si tu le fais de manière euh... mal assurée, tu as le droit de faire ce play. Là, il a un tour pour discard la feu de l'invention, ce qui normalement ne va pas arriver. Oh, J'ai peur là. Le noir là, c'est ouais, dans la pile, j'ai fait Ah C'est pas fini, mais je crois que ça ne les joue pas, même deck, si c'est le même deck que Nathan Steyer. Ouais. Les saisies sont dans le side, donc il y a quand même un. Et il a perdu une fable, attends, là, ça se met plutôt bien pour nous, hein, cette histoire. Ouais. Euh, ben j'ai même envie de bloquer là s'il m'attaque, je crois. Euh oui. Ah, ah bon ben. Je vais pas bloquer et c'est lui qui m'attaque. Avec mon de... ouais, mais il va prendre ton token là en l'état hein, pour l'instant. Ouais, gentil. Ah non. Non. non non. Il ne rend que très peu. On s'abouit 8 Et en vrai ça devrait aller un hein. feu de l'invention, j'ai un le tour d'après c'est Ah oh, mais non. Oh, le... Puis voilà, oh saisie main deck qui est joué, quoi. Horrible. Ah, the worst person ever. Quoi que non, c'est l'interaction, j'enlève Omnat. Je peux pas jouer. Non. Enlève tortue en vrai, c'est même pas de la bonne interaction. Tortue et verdict Ouais, je pense. Ah non, je peux jouer euh, le verdict là. Ouais, Tant, mais faut enfin... lui. Ouais, ouais c'est pas très bien conclu, quoi. je, bon, je tapé et, et je serai en Krakos, ouais. Attendez, ah non, ça lui donne de l'info. Tu le peut-être maintenant, non Au cas où il ait une dispute ah, ouais. en réponse Pour pas le sacrifier euh, ou qu'il fasse dispute. Là, ouais, ouais, c'est ça. Ok. Pas que ça fasse fizzelu. Fizzelu. Bon, là tu peux jouer ton omnath, ça va. Euh, je vais pouvoir jouer mon omnath, mais pas trigger, quoi. Non, tu pourras jouer aussi ton cavalier. Euh... Bon, t'as des options, hein. là il a un tour un peu fébrile quand même. Ouais, il a plus trop de cartes en main. Peut-être qu'il faut que tu slams cavalier ici et que tu défausses ton Krakos. Comme ça, le tour d'après, tu pourras jouer ton omnat et landé, je pense. Ok, ça me va. Ça reste une grosse bête, pas facile de le gérer, il peut pas le droit au premier né je, je, je suis à peu près cool avec ça quoi. Ah, ici. Et là, le tour d'après, si tu commences à copier des cavaliers, on fait des trucs sympas, hein, on s'amuse. Ce sont de grosses bêtises. Ah, grosse rigolade quoi. Là, heureusement, je vais top deck euh, Passage Merveilleux. <laughs> Comme ça, je peux euh, omnat Passage Merveilleux, prendre et je veux mon géant. Ah, là, c'est plus des Chocapic euh... que tu fais, c'est des Golden Grams. Ou juste jouer des... Géant Craco c'est buffé peut-être. 5, 6, 7. Ah si six, tu doubles six. cavalier et que tu joues Géant est-ce que tu bourres avec tout, je crois que tu, tu, tu l'enfonces, mais genre. Euh... Bien dans le sol. Ah bon Mendek Mendek, expertise de Carizève. D'accord. Mais what D'accord, d'accord. 6, 7, 8. T'es obligé bah, de bloquer sinon t'es mort. Ça, hein. Parfait. Mais qui est cet okay. homme Ok, bon bah c'est euh, le mec qui sait qu'il va jouer contre Et contre Kerouga qui les des flammes. Ouais. Bien joué. Rigde. Ah, je suis trop salty. Bah ça fait un peu chier, hein. On passe mito. Saltie. ah, J'aime bien aussi. Hein. Attends attends, attends attends. de voir ce que tu pioches quand même. Oh! Ah! Bien vu. Tu vois? Bien vu, Uuh. bien vu! Prends-lui son, son four, non? Son four ah ou sa oui, fable? Ça euh... Je sais pas. La hein. <laughs> fable ou son oh, four? Ah, four, c'est lent. Vas-y, prends-lui la fable alors. Oh, je fais maintenant. Ah, Sinon, il va sacrifier la bête. Oh ouais, non, vas-y, vas-y. Donne-moi ça, toi. Et arrête de top des caisses, te plaît, là, roue à on m'a déjà assez saoulé là. Ah, parce qu'il grignote un peu, mais moi c'est 4 meufs par tour là. Peut-être. Ouais, il va essayer de te bourrer pour te mettre le plus bas possible. Normalement, t'es encore vivant, tu vas bloquer la 2-2. De Je pense 5. 6, ouais, il va 7. Pas sacrifier 8. 6. Il peut, il peut pas te tuer. Ok. Hop 4 PEV. Et là tu joues tout hein. Je joue Fable et Géant. Tu joues Fable et Géant Krakow, c'est le tour d'après c'est Keruga slamé, quoi. Si je trouve un land, ouais. Je et hop. Que... Ouais, t'auras le droit à une redraw si tu veux absolument un land. Ouais, j'aurais deux, deux draws pour trouver un land d'étape. Pas d'attaque. économiser les coins. tu f... peux survivre. Hein. Ouais, j'ai mis des blockers. Faut pas qu'il trouve genre un Mayhem Devil ou une dispute. Il a des top decks qui sont écrasants. Ou genre ça. Ah là Yes me semblait bien. Non, mais il me semblait bien. À un moment j'ai eu peur, mais non, il me semblait. Non, mais il avait été un peu outre-cuidant quand même, je trouve. Bam euh, bam! Je mettrais aussi la fureur des dieux, moi. Euh, ça exile. Hmm. Ça exile et ça prend Mayhem Devil, ça prend tout, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a Mayhem Devil. Mais j'enlèverai par contre les verdicts suprêmes. Ouais, du je suis d'accord. Je trouve que Tortue Céleste, c'est pourri aussi. C Ce n'est pas dingue. Après, ça reprend un truc du cimetière. Ouais, mais on l'écrase déjà. Ça, c'est bien contre les decks, genre. On l'écrase. Ils vont un peu te grinder. Bon, mmh. qu'est-ce qu'on veut plus Qu'est-ce qu'on veut pas d'autre Emprisonnement, c'est bien contre lui J'aime bien, ça prend tout. Hein. Euh... Je peux que tu es un peu dans les canneries de cavaliers peut-être Ouais peut-être. Je peux que tu es au moins un Kenrit et un cavalier. Tu peux que tu es une fable et un géant aussi peut-être Je souhaiterais même peut-être deux fables. Bah c'est vrai qu'il en... nous prend nos tokens quoi, il est pas sympa ouais. mais... Je de deux fables et garder mes géants pour tuer ces 3-2 là. Okay. Ça ouais notre plan c'est vraiment homme nat grind quoi. Ouais. Ça me va. Et Kenrit aussi, hein. Kenrit il le gère pas, c'est 5 puffs tous les tours, il a perdu hein. Ouais aussi ouais. Mais comme c'est légendaire en avoir 4, ça te fait des mains pourries des fois donc. <laughs> et je pense que globalement notre matchup il est très bon contre sacrifice et que ce deck il a été aussi conçu pour ça. T'as emprisonnement est... autour de et là Et dans ma main, signé. je la garde. Oh, gardé. Hop, pas ouais. de galère. C'est bingo ça. Ah il est déjà sélectionné, putain, j'ai failli... lui euh... faire du ziz. Un petit chat. Un petit chat. Bah, a... bah, C'est super ça. Ce serait moi, je l'aurais fait un papier. Ok, tu fais une sortie agro oh. et tu vas lui mettre un... Ah, tu peux pas le caster, cela dit. Pour l'instant, non. J'ai envie d'emprisonner maintenant. maintenant ouais. Je sais pas. Ouais, je ouais, pense. Ah, okay. je vais économiser des PV. Hein. Si il fait Fab, ça me va. C'est lent. Ouais, oui, parce que de toute façon, après, tu montes à feu de l'invention, Kenriti, tu gagnes tout, tout, tu gagnes la partie, quoi. Mm. Ah, j'aurais pu garder emprisonnement pour le faire sur son, sur sa saisie. Il fait saisie, je fais. Non, je présente la saisie. Hop, hop, hop et Je mets une tape sur la main comme ça. Tu oh, l'as sur pas la troisième et Mais personne ne fait ça. Si. Moi, ouais, je fais. C'est pas le Cooler, il fait ça. Mec t'es saisi proof maintenant il euh, peut plus rien t'arriver. Euh... Ouais que prends je... Keruga. Ouais. J'allais dire est-ce que je paye de PF pour pouvoir faire les mais... Prends Keruga en payant de PF je pense. Sinon je fais ça. Hein. Ouais si tu trouves un quatrième land, autre que fontaine pour pas te piquer. Ok, ouais. je pense que dans tous les cas là tu peux pousser un peu les cartes dans, dans le désordre et. Et ça marchera. Ouais, je... Ça va bien se passer quoi qu'il advienne quoi. Il a l'air de galérer un peu à trouver ses lands donc euh... Ah non. Ah Coucou euh, ça c'est bien ça va bien c'était un peu la seule carte qui lui permettait de je crois qu'il faut que tu fasses quand même Otawara feu fureur et espérer le tour d'après gagner avec Kenrit allons-y je crois hein. tour d'après tu fais Kenrit Karuga euh, je pense que sur le red ça va pas ça avec Karuga je draw 5 euh, je draw 5 je gagne 5 ouais et tu je gagnes suis... des pev je draw 5 et je suis mort je pense Yes. Ça faut que tu le landes, tape, je crois. Ouais. Ouais. Ok. Bah ouais, cannerie de Keruga, écoute. Bonsoir. Salut, c'est moi. Ah, merde, attends, si je draw, si je draw, je vais prendre hyper cher sur euh, shoulder donc non, je peux pas Keroga. Ah oui, non, tu peux pas draw. Eh oui. Hey, hey. Je peux réanimer quoi Rien. J'ai gagné euh, des pèves. Je rejoue quoi un Fire Une Inlay Plutôt, plutôt un fire je pense. Plutôt un fire et tu vas gagner 5 jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on puisse tuer euh, Sachold Red ou alors jusqu'à ce que tu puisses caster Keruga et être assez haut en PV. Mm. Ah oui le Keruga il était l'état, là. Ouais oh, ouais le Keruga il nous défonçait. Non mais c'est abusé putain. On a perdu. On n'a pas perdu. Euh... Ouais, on est à 1. On, on est, est à, à 1, 1. Avec ça qui fait gagner 5 pèves. Si on trouve l'ample d'étape. On est à 6. Si tu trouves emprisonnement, c'est bon. Oh, fils. Ces deux dernières cartes, c'est je pique une bête et je sacrifie une bête. Ouais. Non, mais bien joué. Hein. C'est vrai que Sholdred, c'est une carte qui est problématique hein, pour nous. donc euh... Il était bon. Il a fait une sortie. Il a fait en fait, genre. Ouais, on peut rien faire. Si tu peux pêcher un land. Bah non. Ah oui, non, tu meurs. Ce qui est assez un, un peu ingrat, c'est que nous, on a disrupté son cimetière. Et lui, il a fait une sortie drop 1, drop 2, drop 3, Sholdred. Ouais. Et c'est genre joué. en mode, bah, bien joué. Genre, il s'est passé un peu ce qui se passe en moderne, t'attaques le plan une Fer de ton Oppo, et il te tue juste avec un plan fer. <laughs> il joue un plan midrange. <laughs> a... Non mais c'est ça, moi typiquement quand je jouais Rhino Cascade, bah, tous mes oppos ils rentraient plein de moyens de m'empêcher de cascader et ils mourraient juste avec des borreurs fin de tour. Et c'est ce qui est un peu ce qui vient de nous arriver. Je crois que tu la gardes, non Ah ouais Ah, ta fureur des dieux qui attaque le plan je... fer. Je prends pas saisi, quoi, mais... Alors des lieux, je la casse mal, et il va falloir piocher les bons land. Je sais pas, est-ce que, est -ce que tu peux faire mieux quoi Je en fait, oui, les... pense. Ok, vas-y, vas-y. Ok, c'est très drôle. C'est un peu mieux, hein. c'est la même et... chose, mais... En... Enfin, c'est pas saisie-proof, ces mais... Allons-y. Ah, tu prends saisie c'est l'enfer. Ah, heureusement, on va piocher un fire. Et non. Ah bah là, ouais, tu vas commencer à piocher des manas Il hein. y a pas de, il y a pas de galère, quoi. Pas de galère. Bon, c'est plus doux ce qui fait. Ah, je préfère ça. Je suis même pas sûr que tu prennes Karouga en main parce qu'il peut te le défausser. Ah, ouais, tu crois pas Pff, Ouais. Au pire, si jamais te le défausse, est-ce que c'est grave Non, vas-y, prends-le. T'as déjà tellement de gaz en main. Ce sera peut-être intéressant d'être mana efficient. Ouais. Mais bon, c'est vrai que quand tu joues un jeu fire, t'as pas envie de prendre ton compagnon en main parce que tu sais que tu peux jouer directement le tour où tu le prends en main grâce à ton fait de l'invention. Mmh. Oh, ok, il il de carte. Une super bonne carte, je suis très content. Bien fait. Alors ah c'est jusqu'à quand qu'il peut les jouer Prochaine étape de fin, ah, ouais, ça dégage. Ça, ça pourrait être pas mal. Ouais. Bah écoute, Just Pass Turn. Hein. Just Passing. Puis à un moment, ton cavalier il va arriver sur le board. Et s'il n'a pas expertise de Karizev dans, dans Four, il devrait aller quoi. Mais il a forcément. Puisqu'il en jouait oui. 4 Mind Deck. 4 4 Je sais pas comment il en jouait, mais il avait aussi des droits au premier né. Donc il ne peut pas non plus être trop, trop dans là-dessus quoi. Ouais. Mais il prend une way de contrôle et il fait l'avion. C'est ça. Ok, ça bouille C'est bouille -bouite. 9 cartes en main. Je crois je suis Pantois face à la puissance de notre Et Il okay, on prend, on prend double saisie, il hein, n'y a pas de... Le cavalier qui de dégage. Kiroga, allez, je allez, crois que pas. je le joue oh, pas là, si j'ai rien. De quoi S'il ne me fait pas piocher une carte, je joue pas Keroga, je pense. What ah, Ok. Nice. Fetch, hein, là ça mange pas de pain, tu sais que tu vas fetcher le tour d'après pour jouer ton cavalier, tu fetch ta, ta, ta montagne, pardon. Je suis étonné qu'il t'ait pas enlevé le cavalier, ça veut dire quoi ça Oula Pardon Et soit, hein Non mais on a affaire à un excentrique, je cherche pas. Je, je vais cavalier, là Ouais tu joues cavalier tu vas défausser feu et passage Ah je regarde pas J'avais... Je crois pas J'irais chercher des actifs là Ok merde j'aurais dû lander passa euh, passage du coup Passage plutôt ouais Ah ouais, je pensais que j'allais garder pour emmenate mais... Mais non Expertise de Karyvzev Eh hey, bébé bébé Ouais mais même s'il fait expertise là ça va non. en vrai Il nous met que 6 donc ça va Messi si on le récupère. Ah non, parce qu'il peut jouer un spell gratuit, donc il peut jouer un four. Ça serait ouais, incroyable qu'il ait expertise de karizé, four, je sacrifie ton cavalier. <laughs> Quelle grandiose personne. Ça ne t'étonne pas Mais moi je, je suis étonné quand même. Ouais, fou du face et... et joue ton jeu en Krakos, non? Et on va garder juste Jetmir pour cycler le tour d'après. Et du coup, je dois prendre deux? Non? Tu fais ah jeu non, en Krakos garde, face attends. et tu joues? Non, j'aurais fait juste la bête et je garde ça pour gérer ça au cas où. Au cas où quoi? Il tu... y a quoi qui est grave là? Il a pas bah, de chat Il, pour il un... nous reprend un... un géant. Et du coup, on pète ça comme ça, il peut pas là. Ok, ok. Vas-y, ça me va. Et Fontaine tape, hein, Font Fontaine ouais. passe. Ok, bon, il avait la séquence ultime. Hein. Ah, pas de galère. Perte de pev Voilà. Et puis saisie quand même. Évidemment, je viens de jouer mon géant. Je pète son faux ou pas, fin de tour Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. T'auras pas tellement de meilleures opportunités après. On va essayer de dépenser tout notre mana. On va recycler ce jardin de Jetmir. Et comme il a déjà débloqué son quatrième mana, qu'il est le cinquième, ça change rien. Allez, pas de la merde. C'est tard ça. Hein. C'est pas horrible si jamais tu trouves des bonnes cartes derrière. Moi je jouerai les deux, hein. je ferai passage dans le feu mais... Pas sûr de moi quoi. Oh j'y vais de toute façon là on n'a pas grand chose à faire. Ouais, prends ton mana noir comme ça au moins tu l'as. Mm. Et fin de tour. Où tu vas attaquer Je crois qu'on gagne pas la course si derrière il fait Mayhem Devil. Mm. Si derrière je il joue pas. des cartes, euh, je crois qu'on gagne pas la course. Ouais. Non je crois pas. Il a trop de cartes en main pour faire la course. Et le problème c'est qu'on joue beaucoup de land. Après il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 sur 28 de jouer quand même. Il y a une grande chose de trouver des actifs. Tickenrite là ça met d'où Hop, je prends le trade. Ouais, après Kenrit, encore une fois, s'il si te fait des expertises de Karizev, bah, c'est l'enfer. C'est comme tout. Ah bah, Il aurait pu faire ça, ça pour sacrifier. Super. On est bien là. Le meilleur des Landes à trouver. Ouais, en vrai, ça va. S'il attaque avec son diable, et à moins ce qui tourne autour d'Aiganjo, il va attaquer avec. Oh oui, il va bourrer là. Je pense que oui. Il est malin, il le ferme en main une phase 1, donc il tourne quand même autour des possibilités. Mais sachant qu'on a feu de l'invention, c'est spécifiquement autour des ganjos qu'il tourne. Okay. Allez hop. Il sacrifie tes trucs. Et là, tu top deck Kenrit maintenant. Ou Kenrit, Allez, quoi. On... Kenrit, euh, je gagne euh, 10 pev là. Bam bam. Et on est reparti. Ou je gagne euh, 5 pèves et je pioche une carte, encore mieux. Ah, tu fais plein de trucs avec Henry. Il a pas sacrifié son token 100 en réponse. Allez, c'est maintenant. Allez, là. Ah, oh, putain. Le jeu qui nous chie dessus, quoi. Ah. Mais non. Fouh, je voulais gagner. Après, euh, on, on pioche beaucoup de landes comme le deck euh, est censé le faire. Et. Euh... Et on se presse expertise de Karizev pour quoi. Euh, trois games, euh, bon... Ouais, dommage. Non mais écoute, c'était intéressant. C'était intéressant. Euh... Ce deck n'existe pas en face. Hein. Genre, cette composition de deck à la game 1 en tout cas, n'existe pas. Bah, c'est étonnant d'avoir des... à la fois des saisies et des expertises de Karizev. faut forcément que t'es un peu dans la vie. ton sacrifice et, et ça peut être un peu compliqué après si effectivement ce deck là il est très populaire sur le ladder je me rends pas compte là euh, récemment on a pas joué on était au, re au relic fest encore une fois le meta c'est des engrenages et ça bouge très très vite sur arena ouais. bon, ben, le mec métacole call quoi, euh, pourquoi pas mais je trouve qu'au delà de son métacole call on pouvait quand même gagner ses games si on n'alignait pas 1000 land à mmh. la fois quoi genre quand il joue contre, euh, contre grescro il fait quoi avec ses expertises ah ben c'est pourri bien sûr c'est éclaté non, mais je pense que, encore une fois, je te dis, Arena, ça, ça switch très vite. Et si ouais. c'est le deck à la mode, bah il prédate le deck à la mode. quoi. Et oui, à la mode de chez nous. En tout cas, ce deck est très sympa à jouer. Euh, je vais quand même coter une dizaine de landes euh, pour jouer euh, euh, sur ladder, mais euh, mais il est pas mal. Fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpell Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de, de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.